Pariez gagnante, émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonne année Ben. Bonne année Pierre-Yves, bonne année tout le monde. Ben ouais, bonne année à tous. On repart pour une nouvelle année, 2020. Oh, 2020, ça va être bien. Oh, 2020. Les années comme ça, où t'as plein de trucs, qu'est-ce que c'est bon ça. Ouais, cette année au niveau événement, il va y avoir pas mal de choses quand même. Pas mal de choses, surtout l'été là. Donc ça va être... C'est clair, à partir de la mi-juin, il n'y a plus personne. Ça va être... Mais il n'y a plus personne, si, tout le monde est là. Ouais. Ah non, mais je veux dire, il n'y a plus personne au travail là. Ah oui, plus personne au travail, mais c'est ça. Donc, avec pas mal d'événements à venir. Donc écoute, moi à titre personnel, moi j'ai fait reset en début de saison, vu que j'ai eu la gastro. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que les auditeurs me comprennent. C'est l'émission confession. Tu sais comme ils font certains youtubeurs. C'est ça. Qu'est-ce que vous ne savez pas sur Benoît. Voilà, vous le savez. Et donc c'est bon, on repart à zéro. Impeccable. Et on va voir ce que cette année va donner. Mais voilà, tu cherches à t'excuser de certains trucs qui vont se passer dans cette émission ou... Non, mais c'est que j'ai... Voilà, c'était compliqué les derniers jours. Donc c'est voilà, si l'émission n'est pas... Bah oui. C'est pas la meilleure que l'on ait faite, j'ai une excuse. Voilà, c'est pour ça qu'on ne t'en voudra pas. Voilà. Bon, on parlera bien entendu de ce programme 2020 qui nous attend. On s'arrêtera un petit peu sur les Jeux Olympiques, forcément, on en causera. L'Euro 2020 de foot. Hein, l'Angleterre à 5, là, t'y crois ça? C'est surtout de pas y blesser qui m'embête aux Pays-Bas. Ah ouais. Bon. Ouais, voilà, c'est comme ça. On en reparlera. Ouais. Et puis un petit mot de Tour de France, parce que. Oui, le aussi, Tour de France, j'ai hâte. Cette année, ça risque. Ouais, ça risque d'être intéressant. Je pense que ça va être un très joli tour. Ouais. Carrément. Le parcours. Sympa. Ouais, carrément. Il se débrouille bien ces dernières années. Le Paris-Nice aussi, on a eu le parcours aussi et chouette aussi. Bah écoute, j'ai pas encore été voir, mais si tu me le dis, je te fais confiance. Ouais. Non, il y a un contre-la-montre chez Alaphilippe. Oh ! Ah ouais, sympa. Ouais. Sympa. On va voir s'il a progressé cette année là-dessus d'ailleurs. Oh, mais il est pas mal déjà. Hein. Oui, mais vu ce qu'il nous avait fait sur le Tour de France. On va voir où il en est et puis qu'est-ce qu'il a fait comme travail spécifique. Enfin, tout ça va falloir regarder dans les magazines spécialisés. Et puis on parlera un peu de Remco aussi, hein, sur les classiques. Ouais, même si apparemment, bon, son équipe le met pas forcément sur le Tour de France, mais le met à faire d'autres courses, mais pas forcément sur le Tour de France. Oui, enfin, il a que 20 piges. Hein. Ouais, mais moi. T'aurais eu envie de le voir sur le Tour de France. Surtout vu la cote que je l'avais chopée, oui, ça m'aurait intéressé. Ah merde. C'était du 126, je crois, un truc. Ah ouais. Donc voilà, mais s'il le fait pas, écoute, tant pis, mais c'était à tenter, de toute façon, je serais remboursé, c'est pas grave. Il sait pas au départ, mais après, on sait jamais si dans son équipe, il y en a qui se blessent et tout. Tu vois, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est dans 6 mois. On verra ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Et on va revenir au présent. Et on va parler de hand avec les championnats d'Europe ont lieu en ce moment, qui vont commencer. Plein de lieux, c'est la mode. Quand vous avez l'émission demain dans les oreilles, l'Euro aura déjà commencé. On va s'intéresser donc à cette compétition qui a lieu en ce début d'année, pour bien commencer l'année, avec... Dans trois pays, Suède, Autriche et Danemark. Norvège. Mais ça va, t'étais pas loin. Oui, enfin, je ne veux pas créer d'incident diplomatique pour commencer 2020. Faut pas déconner. Tant que tu passes pas leur rythme, tant que tu passes le bon rythme, c'est bon. T'auras pas d'incident diplomatique. Grosse connerie de 2019. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais c'est un peu la mode là de faire des compétitions sur plusieurs pays. Enfin, je sais pas, t'as pas remarqué. C'est ça. Avant, c'était toujours sur un pays unique. Il y a que le Qatar qui finalement arrive à organiser une compétition. Ou pas, parce que 2022, c'est très loin. C'est loin. On verra bien. Il y a déjà des paris sur... Il n'y a pas Coupe du Monde. Enfin, déjà, la Russie, ils ont des gros problèmes parce que... Voilà, ils sont interdits de toute compétition internationale, mais dans tous les sports. Donc, on pourra en reparler de tout ça. Ouais. Voilà. Mais pour revenir sur l'Euro de hand, ouais, effectivement, petite compétition organisée sur trois pays. Tableau final qui va se passer plus du côté de la Suède. Non, j'ai vu que les grosses salles étaient du côté suédois.
suédois en tout cas. C'est du côté de Stockholm, donc effectivement c'est la Suède. Je te confirme ça. Jean-Michel, bon géographie. C'est ça. Cette année, voilà, on va essayer d'être perfect. C'est ça. L'année dernière, il y a eu quelques petits ratés. Notamment en EHF. Oui, voilà. Enfin, EHF, c'est la coupe de. Enfin, c'est au handball. Donc voilà. Voilà, des fois, il y a des choses qu'on connaît, on connaît pas. Des villes, des pays. Bon, bref. Alors, on y va. Pour cet Euro de hand, on s'intéresse peut-être au vainqueur, Paris long terme. Sur cette compétition, on va faire aussi bien que contre, on va faire aussi bien que les Pays-Bas sur. On va pas donner une cote à 16, voilà, ça c'est clair. Les Pays-Bas. D'ailleurs, on avait pas reparlé depuis parce qu'on n'avait pas eu d'émission, si. Si, on avait le direct. Ah, on avait le direct, pardon. C'était bien le direct. On était bien. Oui, c'était bien le direct. Donc, écoute, là, je vois pas vraiment de grosses surprises. Enfin, je vois pas une cote comme les Pays-Bas passer. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a pas de surprise au niveau des cotes parce que c'est le Danemark favori. Après, tu as la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, la Croatie, voilà, et la Norvège. Alors, la Norvège, moi, je mets un gros mébol parce qu'ils ont comme une pléthore de blessures, là, les pauvres. C'est le jeu, hein. Et en plus, ils sont dans la même poule que nous. Donc, à la limite, ça nous avantage. Parce que la Norvège au complet, c'est pas la même que la Norvège avec quelques blessés. Ce qui rend normalement notre groupe plus abordable avec la Norvège, le Portugal et la Bosnie. Ouais, première participation de la Bosnie à un Euro, je crois. Bosnie-Herzégovine, moi j'ai pas envie non plus d'avoir de problème. Non, faut pas oublier. Ça se dit Bosnie tout court. Ouais, mais bon, les Herzégoviens, ils sont un petit peu. Non, je sais pas. je sais pas ce que c'est le Herzégovina. Bon, bref. Donc la Bosnie-Herzégovine, c'est. Voilà, je pense que ce groupe-là, vu les blessés norvégiens, on devrait s'en sortir. Même si, écoute, j'ai du mal à nous voir gagner 7 euros. Voilà, j'ai un peu de. Donc la France à 5, tu pop, qui touche pas. Toi, t'as 5, toi? Moi, sur les points com, plutôt 4, 4,50. T'as 5? Ben, moi, je l'ai eu à. Enfin, je l'ai pas eu, je l'ai pas prise, hein, mais non, je l'ai vu à 5. D'accord, ok. Voilà. Capture d'écran à l'appui si tu ne me crois pas, hein. Oui, je vois. Après, ça peut être si tu prends 2-3 équipes, tu peux prendre France pour être remboursé si c'est la France, par exemple. Mais. Parce qu'à 5, c'est, voilà, ça reste convenable. Espagne, Allemagne, Suède, Croatie. Franchement, j'ai du mal à lire là. La Norvège à 12, j'y crois pas. Ça, c'est sûr. Mais les 6 premières équipes favorites, bah écoute, j'ai vraiment du mal à te sortir. Hein. Alors, les Danemark avec. Comme je vous avais dit, si Hansen est là. Ouais, mais Hansen, meilleur buteur ou quoi? Si Hansen n'est pas là, ça, je ne vais pas m'aventurer sur les meilleurs buteurs. Mais vu qu'il est là, écoute. C'est vrai que c'est costaud, ça va se dérouler en Suède. Bon, après, c'est sûr, c'est un Danemark-Suède en finale. Le Danemark aura tout de la Suède contre eux, parce que c'est à Stockholm. D'où aussi la cote de la Suède, hein, 7,50, parce que ça, voilà, ça se joue aussi une partie chez eux. Alors, tu vois, l'Islande à 67, alors que l'Islande, ça a été quand même à une époque un pays de hand assez intéressant. Bon, ça, c'est plus que c'était non plus. Je l'ai à 101, là. Ouais, bah écoute, là je la vois à 67. Après, bon, tu sais, entre 67 et 101, vu que c'est un pourcentage, la différence elle est pas énorme en probabilité de victoire. Donc voilà. Est-ce qu'on mettrait un billet sur la Suède à 3,25? Ceux qui prennent. Alors voilà. Le Danemark. J'ai dit quoi? T'as dit la Suède. Non, le Danemark, pardon. Ceux qui prennent le Danemark, le prenez pas forcément tout seul et prenez une ou deux équipes pour rembourser si jamais le Danemark ne gagne pas et si c'est une des deux autres équipes qui gagne. Voilà, parce que ça peut être. Voilà. On peut imaginer que là, que tu prends le Danemark et puis un petit peu plus tard, en fonction de la compétition. Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est-à-dire que tu prends le Danemark et tu prends à la limite deux autres équipes, que si c'est ces équipes-là qui gagnent, t'es remboursé. Voilà, ça c'est toujours intéressant de faire. Alors, ce qui est généralement intéressant, c'est de ne pas prendre de favoris, comme on avait fait chez les femmes où je vous avais dit la Norvège, j'y croyais pas. C'est plus intéressant. Bon, là, j'ai du mal à ne pas voir le Danemark dans le dernier carré de toute façon. Donc, t'es un petit peu obligé de le prendre quand même. Voilà, ils ont la Hongrie, l'Islande, la Russie. Bon, c'est quand tu vois les cotes
de ces pays-là pour la win. La Russie, c'est plus la Russie non plus. C'est voilà. Donc le Danemark pour moi sort premier de sa poule. Voilà. Et puis après, ben c'est, je vais pas dire que c'est une autoroute, mais après c'est deux poules de 6 et tu sors les deux premiers de la poule de 6 tout en gardant les points que tu as déjà. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu le. Ça, c'est un truc de compétition de hand, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc vu le Danemark va faire carton plein. Et qui vont, c'est pas sûrement, c'est qu'ils vont croiser avec, c'est quoi, ils vont croiser avec F et D, donc ils croisent avec la Suède, Slovénie et en plus France, pff, tu vois, en plus on va se retrouver, on va avoir un France-Danemark, attends, c'est, et du Danemark-Suède, ah, c'est chaud quand même, c'est chaud, et dans l'autre partie de tableau en haut, bah, de toute façon l'Espagne et l'Allemagne sont dans la même poule, le groupe C. Donc ils vont un peu se tirer dans les pattes. Voilà, donc ça, il y en a un qui va perdre des points, au moins qu'il fasse match nul. Mais ouais, c'est, je vois bien Danemark qui vont jusqu'en demi, et puis après je te dis sur un match tout est possible. Donc voilà. Mais j'avoue que je suis pas sûr moi-même de me positionner. J'ai pas une vraie lecture sur cette compétition. J'ai un peu de mal en fait. Ok. J'ai un peu de mal. Donc voilà. Prudence. Non mais des fois. Prudence. Tu passes, émerde de quoi de... Oh, ah bah voilà toutes tes expressions. Merde. J'ai plus la suite du proverbe. C'est con ça. Bah hé. Voilà. Donnez la suite du proverbe. À Pierre-Yves, ça va l'arranger. Ouais. Donc non. Autant si j'étais plus inspiré chez les femmes. Autant là chez les hommes. En plus, un championnat d'Europe, à mon avis, est plus dense qu'un championnat du monde. Enfin, ça, tu sais, on en avait parlé. Parce ouais, que ouais. L'Europe du hand, c'est, on va dire, c'est le truc central. Quoi. Donc là, tu n'as que des équipes qui savent vraiment jouer au hand. Et c'est plus complexe que quand tu vas jouer contre des équipes, je ne sais pas, l'Angola ou des choses comme ça. Ouais, même si chez les filles, il y a quand même eu quelques surprises, non? Je me rappelle de quelques résultats un peu surprenants. Oui, comme la Corée qui bat la France. Mais après, oui, sur un match, tout est possible. Après, sur la longueur de compétition, regarde, la Corée a disparu après. Ouais. Tu les as pas vus en fait. Donc, ils sont même pas allés en demi. Donc voilà. Non, là, je préfère être franc avec vous. Alors, dites-moi hein, en dessous, vous, ce que vous voyez et tout ça. Après moi je peux pas, par rapport à ce que vous avez mis, si vous me dites ouais mais moi je pense que je viens de connaître que la Slovénie oui parce qu'il y a tel et tel joueur et je les sens bien, enfin voilà, pas de souci, mais j'ai du mal à avoir une grosse surprise sur 7 euros en fait, voilà, à l'inverse de ce qu'il y avait eu chez le championnat du monde femme. Très bien, et eh ben voilà pour le hand. Bon, on suivra petit à petit, on verra. Ouais. Hein, si peut-être que t'adapteras tu seras peut-être positionné sur quelque chose d'ici. Oui, d'ici non, la mais c'est. Faut voir, on va laisser passer quelques matchs. Après, moi, j'ai plutôt tendance à me positionner en début de compète parce que les books, ils n'ont pas non plus une super visibilité des fois. Et il y a des coups à faire. Là, j'estime qu'ils sont plutôt pas trop mal démerdés. Ok. Donc voilà. On continue sur l'actualité, yes. Avant de revenir plus tard sur 2020, ouh j'ai hâte, on va revenir sur la prochaine journée de Ligue 1, avec, y a forcément un match nous qui va nous intéresser, petit Brestois que nous sommes, hein, le Toulouse-Brest là, ouf, 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 ouf. Ah bah là c'est un match à, comme on dit des fois à 6 points, si on le gagne, bon, je crois que Toulouse aura bien la tête sous l'eau là. Ouais. Si Toulouse gagne, ils ont toujours l'espoir de revenir. Donc je pense que Toulouse, ça c'est le match visé. Je sais pas s'ils vont se mettre en stage, s'ils vont se mettre au vert, s'ils vont enfermer les joueurs pendant une semaine, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais eux, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils perdent ce match là. Il faut qu'ils le gagnent. Toulouse s'est fait éliminer en Coupe de France par un club de division, par un club amateur, je crois, de 4e division. Saint-Priest ou Saint-Hilaire, non, un truc comme ça. Voilà, c'est un 5 quelque chose, mais je sais plus. Bon, bref, bravo à eux. Ils ont éliminé un club de Ligue 1. Mmh. Ils ont eu la tête, pour le coup, de les supporters du TFC ont la tête de Camboiré, pour le coup, parce que Camboiré s'est fait larguer le lendemain. C'est ça. Déjà, ça piquait. C'était la goutte d'eau. Ouais, ça piquait un peu, quoi. Ouais. Et du coup, c'est l'entraîneur de l'équipe réserve du TFC qui prend les rênes de l'équipe A. Denis Zanko, voilà, entraîneur de la réserve depuis 3 ans. Il est passé par le Stade Lavallois. Il doit connaître quelques jeunes. Ouais. Ça peut des fois. Ah, tu... ah intéressant. Non, mais c'est. Il connaît quelques jeunes qui n'ont pas forcément eu leur chance. Et lui, il peut aller leur parler en disant bah, écoutez, les gars, voilà, là, en gros, je vous donne votre chance et saisissez-la. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. Tu peux révéler un ou deux joueurs qui peuvent te. Après, voilà, ça reste des jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Moi, le problème avec Brest, c'est qu'on est archi nul à l'extérieur.
Ouais, bah bon. Bah là, c'est... On n'y arrive pas, je crois que c'était hier. Alors, contre Lyon, c'était le 7e match à l'extérieur. On avait l'équipe B à Lyon, t'as vu ou pas? Ouais. Bon, on avait l'équipe B, on est d'accord. Je ne veux pas m'énerver. C'est normal, on privilégie le championnat, tu peux pas dire... Ouais. Tu peux, voilà, donc on aura notre équipe A, mais... Franchement, ce match-là, nous, on n'est pas bons. Alors, c'est sûr, notre cote chez nous, elle est alléchante à 3-20, mais ouais. On est tellement pas bons qu'on a gagné à Angers, d'accord, ok, on s'était fait dominer en plus. C'était un gros coup de bol. Là, franchement, j'irai pas non plus sur Toulouse en drone bête, hein, on est d'accord, mais illisible ce match-là pour moi. Vu le niveau de Toulouse en plus. Bon, bah celui-là, je voulais... Alors, qu'est-ce que tu voulais? Non, tu voulais jouer quelque chose là-dessus? Mais alors, sur cette journée de Ligue 1, c'est la merde. Je vois que dalle. Ah non, c'est que des côtes. Non, mais c'est surtout une journée de reprise. C'est chiant. C'est toujours chiant ces journées de reprise. Il ouais, y, bon, y a eu des matchs de coupe, certes. Oui, et puis c'est surtout que voilà, tu dois regarder ce que bah, tu dois refaire un peu un check-up de tout le monde qui est blessé, qui n'est pas blessé. Parce que quand tu suis championnat, d'habitude, tu suis tout ça. Il n'y a plus de matchs depuis deux semaines. Donc, même si c'est la coupe. Avec les résultats de la coupe, j'ai envie de regarder peut-être comment va réagir Saint-Etienne après la grosse fessée oui, contre. Oui, mais Saint-Etienne, c'est l'équipe B aussi. Ok. Non, mais tu peux pas. Alors, de ce que j'ai vu, pour moi, c'était l'équipe B. Hein, je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai vu. Et t'as vu sur les réseaux sociaux le gardien, quand il est rentré chez lui, ses enfants avaient mis un dessin sur la porte de l'immeuble du bas. Enfin, voilà. Que quand il est rentré, pour lui remonter le moral. Et on a failli avoir le but de. Je sais pas si c'était de l'année, de la décennie. Ah oui. Avec le coup du foulard de Mbappé. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre comment il a pu enrouler cette frappe, en fait. C'est ça qui est juste dingue sur ce geste-là. Les joueurs talentueux, justement, c'est de pas comprendre. Comme les magiciens, tu comprends pas comment ils font. Mais toi. Voilà, c'est ça. Mais comment il fait pour l'enrouler avec un coup du foulard. Ça me paraît complètement dingue. Ça me faisait penser, tu sais. Faut pas que t'aies le secret parce qu'après tu seras déçu. Ça me fait penser à Rai, tu sais, où il avait fait une transversale comme ça aussi dans les années 90 aussi, au parc aussi. Rai, si vous connaissez Rai, vous êtes un peu vieux. Voilà. C'est vrai. Si vous confondez Rai et Cheb Mami, ce n'est pas la bonne émission. C'est ça, c'est pas bon. Non, pour revenir à la journée. Encore plus vieux. Non, c'est peu cela. C'est même période, ça. Faudel et tout. Allez, on dévie. Donc après les autres matchs, écoute, Bordeaux-Lyon, Lyon, toujours pareil. Ils ont reçu une offre sympathique pour Dembélé, mais s'il le lâche, c'est mort. Ça sera mort. Au contraire, faut qu'il se renforce. Bordeaux-Lyon, écoute. Un pronosticable, c'est comme le Rennes-Marseille, impronosticable. Oui, c'est une journée de merde. Amiens-Montpellier, Montpellier favori extérieur, bah oui, parce qu'Amiens, c'est pas terrible, mais j'irai jamais non plus là-dessus. Angers-Nice, Angers de Renaud-Bette à la maison, why not? Mais Nice, il récupère des blessés aussi. Je m'y aventurerai pas. Le Metz-Strasbourg, t'as vu Diallo, on avait proposé 20 millions, Chelsea. Ah ouais? Habib qui a joué Habib Diallo. Habib Diallo, 20 millions. Mais il veut pas le lâcher. Ouais, non mais. 20 millions. 20 millions. Voilà, pour prendre la place de qui Ça veut plus rien dire, hein, les chiffres en Angleterre. Ouais. Il joue à Brest. Non mais je dis, Chelsea, ils vont le dégager, Giroud ou pas alors? Bah en fait, ils cherchent un remplaçant à Giroud qui sera troisième attaquant. C'est ça en fait ce qu'ils cherchent à faire. Mais plus jeune quoi, enfin plus jeune, voilà. 20 millions. Je sais pas, t'es président, tu réfléchis quand même. Bah, s'il y a une proposition pour un joueur du Stade Brestois à 20 millions, je pense que. Ouais, mais nous on a un groupe homogène. Là-bas, Abby, il fait tout en fait. Hein. Ah, mais si tu l'enlèves, je vois qu'il marque. Hein. Bref, Metz-Strasbourg, en plus d'un derby. Donc le derby, écoute, c'est toujours très complexe. Le Nîmes-Reims, bah, là, Nîmes, ça va pas du tout. Reims, ils sont vraiment pas mauvais en ce moment. J'ai du mal. Le Saint-Etienne-Nantes. J'ai du mal à voir Saint-Etienne perdre parce que là, je te dis, ils ont mis l'équipe B, ils vont remettre l'équipe A. Le drone de Saint-Etienne peut être intéressant. Peut être intéressant parce que vu la cote à 2,45, t'as un drone qui doit situer un 70. Un truc comme ça, ça va être pas mal. Ouais, si j'avais quelque chose à faire, j'irais là-dessus, même si c'est pas la sécu sociale. Et Lille à l'extérieur contre Dijon Ouais, j'y arrivais là. Oh, pardon, c'était match d'après. Un drone Lille à Dijon Ouais, Dijon, ils sont capables aussi d'embêter Lille, sachant que Lille a mis sa grosse équipe et que Dijon, non.
écoute, je vais pas non plus sur ma genre. T'as un PSG Monaco, vu les démonstrations du PSG en ce moment, est-ce qu'ils vont avoir envie de jouer ce match-là? Toujours pareil. Mais je vois du 1-25 par exemple sur Bwin pour le PSG. Bah, écoute, si c'est l'équipe titulaire du PSG, je vois pas comment ils gagneront pas contre Monaco. Et le but de Mbappé contre Monaco, tu crois que ça c'est... Que ça se prend. Bah Damien est pas là. Hein. Damien est plus buteur que moi sur les buteurs. Ça m'intéresse pas trop ça. En plus des cotes, ça doit pas être énorme. Hein. Je sais pas combien était la cote hier de Mbappé Marc contre Saint-Etienne en coupe. C'est pas énorme. Les boucs sont pas fous non plus. Et après, bizarrement, t'as trois matchs encore et t'as un autre Monaco PSG le mercredi d'après. Parce que c'est des matchs en retard en fait. Ah ouais. T'as PSG Monaco là, ou le PSG 1-25, et après t'as le Monaco PSG, PSG à l'extérieur il y a 1-47. Non mais je sais pas comment ils vont aborder le match. Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe A dans une rencontre et l'équipe B dans l'autre? Ou est-ce qu'ils mettent deux équipes A? Je sais pas. Il n'y a pas d'urgence en termes de gestion d'effectifs. Le premier match de la phase aller là, pour le 8ème, c'est 15-16 février. Il n'y a pas d'urgence, mais t'essaies d'éviter les blessures quand même. Si tu peux faire reposer un peu tes gars, voilà. C'est mais bon, écoute, parce qu'il y a aussi après une trêve là de 10 jours. Non, il n'y a pas un truc là. Parce qu'entre le 15 et le 25, ils jouent pas. Mm-hmm. Non, il y a pas un truc comme ça. Peut-être pas tout de suite. Bah écoute, je parle pas de PSG de ça, mais par exemple, on va dire Dijon. Dijon joue le 12. Janvier, et après Dijon ne rejoue pas par exemple avant le 25. Donc t'as quand même t'as quand même deux semaines quoi. Ouais, y a un truc là. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Y a pas de matchs internationaux. Y a pas des matchs amicaux là. Bah non, je crois que c'est en mars ça. Bah écoute, en tout cas, y a un trou, donc y a forcément quelque chose à l'intérieur. Je sais pas quoi, mais on va sûrement te mettre quelque chose à l'intérieur. Un Kinder Surprise, je sais pas, un truc. Non, on arrête cette discussion tout de suite. J'essaie, tu vois, de pas m'enfoncer. Et toi, tu t'enfonces tout seul. On a mis un pilote automatique. Ah ouais, non, mais... Quoi ? Réécouter cette séquence, elle est dantesque. Ok, je réécouterai aussi. Mais ouais, donc voilà, y a, je sais pas, y a peut-être de la coupe. Hein, ils font ça le week-end. Mais ouais, peut-être. C'est possible. Peut-être. Mais bon, vu qu'on est éliminé, je dis... Là, je la suis pas. Sinon, peut-être intéressant dans les autres championnats en Italie, le retour de... Zlatan, qui a vu sa statue décapitée quand même. T'as pas vu ça? À Stockholm? Ouais, on lui a coupé les pattes en fait. En Suède? C'est... Ouais. Non. Si. Qui a fait ça? Parce qu'il est devenu propriétaire du club concurrent de Stockholm. J'ai dit qu'on allait être fort en géo, donc je vais pas le citer l'autre. J'aurais dit Malmö, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Malmö. Donc Milan avec Zlatan, favori à Cagliari. Alors Cagliari, ils sont dans une mauvaise passe. Mais pour moi, Cagliari, c'est... Comment je vais vous dire ça? C'est des... Comme des Corses, on va dire. Ils lâcheront rien, de toute façon. Et j'aurais jamais mis Milan favori à Cagliari, même avec Zlatan. Franchement. Donc, voilà, il y a un Lazio-Naples intéressant, un Inter Milan-Bergame. Enfin, il y a des trucs sympas aussi. Il y a un AS Rome-Juve. Belle journée de reprise. Ah bah l'Italie ça a déjà repris, mais là belle journée à ce niveau-là. J'ai du mal à voir Cagliari perdre contre le Milan, parce que de toute façon Cagliari là, il faut qu'ils arrêtent l'hémorragie. En même temps, ils ont joué contre la Juve, ils ont joué contre l'Inter, enfin la Lazio, enfin ils ont joué contre des gros clubs. Là Milan c'est plutôt ventre mou, donc s'ils peuvent se relancer, ça peut être maintenant. Et en Angleterre, tu as. Ben j'ai un Everton Brighton. Alors je vais revenir sur Everton sur la deuxième partie de saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont un nouvel entraîneur quand même. Tout le monde le sait, tout le monde a vu. Ancelotti. Il y aura un peu de ménage. Alors la cote a baissé. Elle était plus proche de 2, mais dans la 85. Et André Onobel, je trouve ça sympa. Everton. Voilà. Vous avez quoi? Vous avez un Tottenham Liverpool. Pouf. Ça va être sympa aussi. Bon voilà, il y a des choses à faire, pas forcément que sur le championnat, pas forcément que sur le championnat français en fait. Donc voilà un petit peu le tour des différents championnats européens. On peut pas aller sur tout bien sûr, mais ça vous donne déjà un petit aperçu. C'est bien de prendre un peu de vision d'ensemble de temps en temps. Ouais. Après il y a des lectures qui sont pas forcément évidentes. J'ai dit c'est une reprise en championnat de France. Jamais évident de reparier sur une reprise. Peut-être laisser passer cette journée-là, voir un petit peu ce qui se passe. Très bien. Allez, on continue.
On continue. C'est quoi cet accent de merde? Je suis désolé, je m'excuse pour tout. Ah oui, t'as fait un accent bizarre. Ouais. Je sais même pas de quoi c'était. Moi non plus. Non, parce que je m'appasse sur taille. Parce que tu vois, t'avais commencé à parler, tu m'as coupé dans la transition. Pardon, j'allais dire un truc. Et voilà, et on y vient à l'année 2020. Ouais. Et on commence par l'euro. Allons-y. Eh ben, on commence par cet euro 2020. On a hâte que ça commence. Bon, il y aura plein de choses d'ici là. Il y aura une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League. C'est ça. Bon, il y aura plein de trucs cool, mais 7 euros, je sais pas pourquoi, je l'attends avec impatience. Sans doute pour voir un petit peu l'équipe de France maintenir son niveau de jeu, peut-être, et puis rester sur la dynamique de la Coupe du Monde. Ouais, c'est possible. Après, si tu me mets Giroud devant, écoute, qu'il y aura 10 minutes de jeu dans les pattes. J'aime bien parce que franchement, il a toujours rendu service et il a toujours répondu présent. Autant à un moment donné, je pense que pour être bon au foot, il faut jouer un peu au foot quand même. Enfin, je sais pas, hein, j'ai jamais été pro, mais. J'imagine. Il a fallu demander ça à Damien. Mais voilà, faut pouvoir courir quand même, faut pouvoir tenir 90 minutes. Donc, la France là-dessus, quitte à décevoir du monde, je sais pas. La France à 6. Tu prends jamais la. Autant, je me souviens en 2018, tu l'avais prise la France. Bah oui. Enfin, l'équipe de France. Oui, mais c'était pas pareil. Ouais. C'était pas pareil. Là, j'ai un peu de mal en fait. J'ai un peu de mal avec notre équipe de France. Et qui tu vois un petit peu en rôle, pas d'outsider, mais de favori outsider là, qui pourrait. D'outsider qui peut faire chier tout le monde. Tu. Et me dis pas le Kosovo, ils sont pas qualifiés. Non, l'Italie. Ah ouais, l'Italie. Je pense que 11. L'Italie revient. Pas forcément des joueurs flamboyants, si tu veux. Je pense que c'est solide. Il y a un collectif, il y a quelque chose qui recommence à. Ils ont eu leur vache maigre aussi. Hein. Enfin, ils ont eu. C'était compliqué. Ah bah, déjà pas de Coupe du Monde en 2018. Voilà, donc, une Coupe du Monde sans l'Italie, quoi. Ils ont reconstruit, ils reconstruisent. Le Portugal à 17. Alors, Ronaldo commence à vieillir. La Croatie à 26. Oh, la Croatie à 26, quand même, tu trouves pas? Ouais, ouais, je trouve que c'est haut. Peut-être ça prend aussi en compte la saison moyenne de Modric. Oui. Non, mais attends, mais bien sûr. Et qu'ils vieillissent aussi tous ces joueurs-là. Enfin, attends, tu peux pas. Voilà, mais la Norvège avec la nouvelle pépite, là, Haaland. Ouais, qui a bougé d'ailleurs. Qu'on verra contre le PSG, bien sûr. Parce qu'on peut jouer. Ouais. Enfin, voilà, c'était la question. Donc, du coup, c'est à Salzbourg qu'il était. Chez Forsbourg, c'est un Red Bull. Mais bah oui, c'est à Salzbourg. Salzbourg. Bon, Salzbourg en Europa League, c'est bon. On avait vaguement parlé de ça, de Salzbourg en Europa League, vainqueur. Non, de Kalmar. Dagmar. Mais Salzbourg, ça faisait pas partie du. Peut-être, ouais. Mais vu qu'il part. Ils perdent leurs deux. Ils perdent deux joueurs. Tu as un autre qui va, je crois, à Liverpool. C'est qui leur deuxième pépite, là? Putain, j'ai un trou. Je ne vais pas pouvoir pas grave, vous c'est la le dire. Je vais pas pouvoir vous le redire, mais j'ai. Voilà. Quelqu'un nous le redira en commentaire. Oui, bonjour, je vais le trouver d'ici là. Mais, le Kosovo 1001. Non, mais sachant qu'ils sont pas qualifiés encore. Ils sont pas qualifiés. Et puis, ils joueront leur premier tour de qualif, là, tu sais, pour les barrages. Ils vont se cogner la Macédoine du Nord. Ils vont à l'extérieur. Et ouais, mais ça fait pas peur, ça, la Macédoine du Nord. Bah, c'est un joueur de la Macédoine du Nord, toi? Non, mais. Non, mais je sais pas, j'ai non, mais, du mal à. Enfin, dans un contexte, tu vois, de pays un petit peu. Enfin, c'est un gros derby, hein. Macédoine du Nord versus Kosovo. C'est pas à gagner, quoi, pour le Kosovo, quoi. Ah bah non, mais bien sûr. Non, mais attends, je vous ai jamais dit que. Moi, je savais. Mais on parle des barrages, là. Non, mais le Kosovo, pour moi, c'était un gros poil à gratter. Et je pense qu'ils ont fait leur taf de ce point de vue-là. Et que tous les Kosovars sont fiers de ce qu'ils ont fait. Maintenant, s'ils arrivent à battre la Macédoine, c'est du gros bonus pour eux. Et c'est un gros truc médiatique. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ils ont fait leur taf. Écoute, voilà, d'avoir prédit un petit peu qu'ils allaient embêter les gros. Bah déjà, c'est pas mal, mais voilà, c'est intéressant. Voilà, ce sera à suivre en tout cas. On verra si on se positionnera là-dessus. Donc voilà. Et c'est comment il s'appelle? Je crois que ouais. C'est Minamino. Où ça? Voilà. Kosovo? Non. Non, Minamino qui joue à Salzbourg, qui intéresse Liverpool. Ah, pardon. Ah bah voilà. Oui. On dit que je le suis, moi. Non, mais j'avais zappé son nom. Voilà, j'ai trouvé. Donc, écoute, moi, je reste sur ce que j'ai dit. Ok. Pays-Bas, même sans Depay.
Ouais, bah, ça m'embête, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pays-Bas. Italie. Pays-Bas, Angleterre, Italie. Pays-Bas, Angleterre, Italie. J'aime bien. J'aime bien. Et si on te met une équipe de France sans Giroud avec Mbappé en pointe? Bah, si tu m'en. Mais, Coman tout chaud là. Après, on verra. Grisou. Après, tu peux prendre, tu peux rajouter la France en rembourser si la France gagne. Comme ça, t'es pas forcément déçu. Mais quand vous aviez, je sais plus quand c'était, quand vous êtes parieur et que vous avez le Portugal vainqueur de la compète et que c'est la finale, c'est France-Portugal, que vous n'êtes pas la France, bah, ça te fait drôle quand le Portugal gagne, parce que tu es quand même content. T'es le seul de tes potes, quoi. Mais ça, ça m'est arrivé. Bref, c'est toujours bizarre comme sensation. Surtout sur un but d'Eder. En plus, il a disparu de la circulation. Il est parti au Lokomotiv Moscou après ça. Non, il a été joué à Lille. Ouais, après, j'ai pas suivi la carrière d'Eder, moi. Bah, dites hashtag Eder, où est-il? C'est ça le truc. Voilà, il va peut-être falloir qu'on parle un peu de rugby quand même. Non, on parle du Tour de France et un peu des JO. Ouais, bah, je vous donnerai quelques tips rugby à la fin. Allez, un petit coup Tour de France, rapidou. Allez, petit tour de pédale, c'est parti. Allez hop, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça va se terminer comme l'année dernière avec un duel fratricide interne à l'équipe Ineos. Attention. Ah. Froome a quitté l'entraînement de l'équipe là, il y a quelques jours. On ne sait pas trop pourquoi. Kekabou. Est-ce qu'il va retrouver toutes ses sensations? Je sais, il a eu une grosse blessure quand même. Donc est-ce qu'il va retrouver. Bradley Wiggins aurait déclaré. Attention, tu veux les pronos de Bradley Wiggins pour la saison 2020? Vas-y. Froome va gagner le Tour de France. Ouais, d'accord. Bah écoute. C'est Bradley Wiggins quoi. Voilà. Et attention, et là il se mouille pas. Remco, il va gagner un grand monument cette année. Ah oui, super. Les pronos de Bradley Wiggins. Je sais aussi, le problème c'est lequel. Et puis maintenant les bookmakers le savent. Donc vous n'aurez jamais du ça. Remco à je sais pas combien, 50 ou quoi que ce soit. Ben non, mais là, c'est mort. Maintenant il est connu, le garçon. Ouais. Fallait le prendre juste quand il était en train d'éclore. Je voudrais tellement qu'il participe au Tour de France, garçon. Mais bon, bref. Ce ne sera sûrement pas le cas. On le reverra. Par contre, il va participer au JO, je crois. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que c'est ce qu'il veut faire. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc il a des objectifs hein, quand même. Faudra. Moi je regarde, hein, je tape de temps en temps Remco Evenepoel. Voilà, j'essaie de regarder un peu son actualité, un peu qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Mais bon, ça, il va gagner des courses. Oui, bon, ça c'est pas compliqué à le dire. Ça on est d'accord. Froome, j'ai plus. Mais là, quand tu vois Remco Evenepoel à 30, pour le Tour de France. Surtout qu'il y a les déclats de l'équipe Quick-Step qui datent déjà un peu, hein, je crois que ça date d'août. Il ne ferait pas le Tour de France, ouais, voilà, mais trop jeune. Mais non, mais c'est parce que personne ne va dessus et que les bookmakers l'ont laissé. Elle avait bien chuté, hein, parce qu'elle était à 100 ou 110. Bah oui, personne ne va dessus, ils s'en foutent. Oh, après, il faut regarder si ton bookmaker, la plupart le font, te rembourse s'il ne prend pas part à la course, mais il y en a certains qui ne remboursent pas. D'accord. Donc attention à ça. Non, franchement, vu le parcours de cette année, j'y crois pas, Froome. C'est pas un parcours pour lui en fait. C'est pas du tout un parcours pour lui. Donc, là-dessus. C'est un parcours pour qui alors? Mais j'aime bien Bernal, moi, toujours. Bernal, à 3, paf. Mais écoute, vu ce qu'il nous a montré. Mais moi, je crois que je vous ai gêné, j'ai pris Bernal et Pinot, il me semble. Parce que dès que le parcours est sorti, je crois que tous les spécialistes cyclistes, enfin tous les tipsters un peu vélo, sont partis là-dessus parce que voilà, c'est plus fait pour des mecs qui sont plus montagnards que des gros rouleurs, quoi. Putain. Pinot, ouais. Quoi. J'en rêve encore. Quoi. Mais il était pas loin et franchement, vu le parcours cette année, il faut qu'il arrête la Schkumun. Enfin, après, j'y peux rien. Il faut qu'il aille mettre. Enfin, je sais pas quelle religion il est, mais mettre un cierge si t'es catholique ou je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je sais pas. Mais en tout cas, il a la Schkumun, garçon, et j'espère que le vent va tourner. Quoi. Ce serait beau. C'est pas un mauvais bourg, je pense en plus. Je pense que c'est un mec très sympa. Après. Bon, des fois, il a des déclins un peu bizarres, mais voilà, ça fait partie du personnage. Mais il est quand même, il a fait vibrer plusieurs milliers de Français ces derniers, quand même. D'accord. Donc depuis Bernard Hinault, c'est Bernard Hinault. Ouais, et puis t'avais le combo avec Alaphilippe, Pinot, c'était beau, quoi. Oui, oui, non, bien sûr. Donc voilà. Donc cette année, non, plutôt pour un. Faut que le mec sache très très bien grimper. Un peu roulé aussi, mais il y a pas de contre-la-montre par équipe, il y a pas de, enfin voilà, c'est va falloir grimper.
va falloir grimper. Donc Froomey, j'ai un peu de mal. Je pense qu'il pourra pas revenir au niveau qu'il avait en fait. De toute façon, pas de bêtises. Hein. On fait ça, on commence à parier. Je sais pas pour le Tour de France à partir de mai que tu. Faut comme ouais, bah tu vois, moi j'ai déjà pris, mais ok. Mais je l'ai dit. Pour, quand t'as vu le parcours du Tour de France, d'ailleurs, les cotes ont un peu bougé. Quand dès que le parcours est sorti, si t'as un parcours, je dis une connerie avec 8 contre la montre. Il y a plutôt avantagé un mec qui est très fort contre la montre. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, plutôt de la montagne. Donc voilà pour le Tour de France. On va suivre ça. Et premier renseignement, Paris-Nice. Ouais. Voilà. Donc on va suivre ça. Et bah, carrément. On regarde un petit peu, rapidou, peut-être contexte. Rapidou, vas-y. Sur les JO. Oui. Oh, ça aussi, ça va être beau. Ben. Alors, avec ou sans la Russie, comment ça va se passer? Ah non, c'est sans. C'est sans la Russie. Ah, ils sûr. Vont pas pouvoir participer sous drapeau attends, neutre. Là. Les athlètes. Les athlètes, ouais. Certains. Les équipes. Certains athlètes. D'accord. Vont pouvoir participer à la compète. Ils gardent aussi. Ils n'ont plus le droit de rien organiser d'international, mais ils gardent à Saint-Pétersbourg les matchs pour. Bah, tu vas pas foutre de la merde non plus quand même. Tu vas pas les. Ah non, mais attends. Non, mais tu sais pourquoi ils gardent? Parce que le CIO considère que c'est une compétition régionale, l'Euro. C'est pas mondial. Donc c'est pour ça que c'est pas pareil. Ça passe. Non, mais voilà, et c'est pour ça que Saint-Pétersbourg garde ces matchs qu'ils vont avoir pendant l'Euro. Mais sinon, ouais, ils sont graves dans le caca, comme on dit, parce que là, ouais, mais faut voir ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Ils ont trafiqué les trucs et tout. Enfin, j'ai un peu regardé, j'ai un peu suivi l'enquête et tout. Il y a même un grand reportage là, qui avait été fait, qui avait eu un prix. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Je sais plus comment il s'appelle. Hein. Mais vous tapez dopage Russie organisé. Enfin, vous allez tomber sur le reportage très très bien fait. Un peu fait comme une comment j'allais dire, pas une science-fiction mais un peu comme une série, et ça vous tient en haleine. Donc non, sans la Russie, et ce qui va rebattre pas mal de cartes dans pas mal de disciplines, parce que la Russie généralement ils prennent quelques breloques, donc on va suivre ça, mais voilà, les athlètes russes, à savoir qui va pouvoir participer sous bannière olympique. Donc ça va vachement avoir d'impact, ça, en gym, en athlé. Sur quel autre sport? Oui, c'est ça, mais tout dépend quelle. Les luttes. La lutte. Ah oui. Les Russes sont très forts en lutte. D'ailleurs, leur président, c'est un ancien lutteur. Poutine, je crois. Judoka, pardon. Ouais, entre autres, ouais. Ouais, il fait plein d'autres trucs. Il fait de la chasse, il fait du jet ski. Sport de combat. Il chasse des tigres, il mange des pumas. C'est ça. Donc, ça va avoir une incidence. Après, il faut voir, il y a quand même des athlètes qui vont y participer, russes, mais pas sous bannière russe. Il faudra regarder qui a le droit d'y aller, qui a pas le droit d'y aller. Donc, ce sera intéressant à regarder tout ça, mais voilà, il y a souvent des paris intéressants. Et quand j'ai vu tout ça, je fais une aparté. Il y a une époque, je me suis pris un joli gadin quand même à Sochi, par rapport, parce que je voyais absolument pas les Russes faire quelque chose. J'avais analysé et tout, enfin voilà, et ils étaient vraiment pas bons les mois précédant ça. Et ils ont fini première nation. Bah ouais. Mais le problème, c'est que quand on a su qu'ils étaient dopés, eh ben tu leur enlèves 14 médailles. Eh ben les 14 médailles, ils sont plus Première Nation, ils sont 4e ou 5e. Et j'aurais gagné mes paris. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Enfin, c'est un truc de fou. C'est quand tu vois ça, tu dis, mais. Alors, les paris, c'est fait, hein, parce que le boomaker, il va pas revenir, il va pas refaire le truc. Mais comme je dis, des fois, et je ne referai plus l'erreur, hein, c'est bon, je suis vacciné, surtout dans des pays un peu extrêmes, désolé, mais voilà, la Russie, en Russie, c'est encore le sport, une communication pour eux, c'est un peu de la politique. Donc, c'est du soft power. Et il y a eu le KGB qui a été mis dedans pour trafiquer les échantillons, enfin j'ai lu des trucs, et voilà, et j'ai perdu, pour moi j'avais super bien analysé, et j'ai perdu à cause de ça. Parce que je voyais la Norvège devant la Russie. Et ben non, en fait. Parce que, ben voilà, avec le dopage, ils ont eu plein de médailles. Donc, à prendre en compte, mais je vous dis. Moi, je me fais avoir une fois, je me fais pas avoir deux, en fait. Donc, C'est ça, tu. Je vais vraiment maintenant le prendre en compte. Bon, là, c'est au Japon. Bon, là, c'est pas. Je pense pas. Apparemment, ils ont une justice coréenne quand même. Bon, pas moi qui le dis. Hein. Il y en a certains qui le disent. Mais à part ça, voilà, je vois pas les Japonais trafiquer des trucs. Mais donc là, je vais pouvoir être plus serein quand je vais analyser tout ça. Mais bon, en tout cas, à prendre en compte. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience là-dessus. Et franchement, sur le coup, j'avais pas compris comment les Russes ils avaient fait pour avoir autant de médailles. Au fond de moi, je me dis, c'est pas possible, ils sont dopés. Bon, voilà, quelques années plus tard. Effectivement, voilà. Il l'était. C'est vérifié. Donc, voilà. Des fois, c'est pas parce que vous êtes pas forcément bon dans l'analyse, c'est parce qu'il y a quelques impondérables que vous ne maîtrisez pas. Alors attendez, hein, je dis pas que tous les matchs de foot sont truqués, parce que voilà, j'imagine que tout le monde va me dire ça.
Voilà, certains oui, ça arrive dans certains championnats. Oui, bon, bref, mais c'est pas non plus tous les matchs de tous les championnats de tous les week-ends. Je peux passer au rugby un peu ou pas? Ah bah tes pronos, ouais. Bon, bah j'allais dire cette émission se termine. Bah, mais non. Il y a de la Coupe d'Europe de rugby. Voilà, il y a de la Coupe d'Europe de rugby. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon. Alors, c'est toujours pareil. Les cotes ont quand même un petit peu bougé. Alors les équipes, c'est quand déjà? Rappel, Coupe d'Europe de rugby, c'est quand qu'on les a? C'est ce week-end. Non, d'accord. J'ai pas compris. Les compos, quoi, les groupes. Ah oui, les compos. Vous regardez l'équipe quand elle a son match et vous regardez la veille. D'accord. Entre midi et demi et 13h30. D'accord. Donc ça fait les matchs, c'est le samedi. C'est 24 heures avant, en fait. Voilà. Okay. Voilà. Donc en Coupe d'Europe c'est comme ça. J'ai déjà fait un peu mes courses, mais bon, Northampton je l'avais pris en sec, combiné avec du Gloucester, parce que là il y a des équipes qui jouent plus rien en Coupe d'Europe, hein, faut le comprendre. J'avais même pris ça fait quoi ça ton combiné Northampton et Gloucester? Quand c'est sorti les cotes. Je sais plus, c'était pas énorme, hein. Mais ça vaut le coup de le prendre toujours là? Ah bah non, tout est descendu en fait. C'est ça le souci. Northampton en handicap, c'était moins 15, passé à moins 21, je crois. Donc ça, pareil, j'ai pris pourquoi? Parce que Northampton va viser le bonus offensif. Ok. Donc pour eux. Alors après, le problème avec ça, c'est qu'ils peuvent toujours se relâcher et que les Trévises peuvent marquer des points. Mais vu le niveau de Trévises en ce moment, j'ai des doutes. Moi, je crois beaucoup en Toulouse au Connacht parce que voilà, il y a Keino. Keino qui revient en mêlée. Comment il s'appelle aussi son pote? Putain, là, j'ai trop de mémoire, désolé. Et comment il va le petit Colby? Bah écoute, il a pas fait grand chose à la dernière fois, c'était français, mais bon, lui pareil, il est en reprise. Hein. Quand il va retrouver sa forme, ça va dépoter. Mais 1,40 Toulouse au Connacht, je prends. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le Racing Metro contre Munster, ben, j'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que le Munster a beaucoup de blessés. Et j'ai du mal à avoir le Munster avec beaucoup de blessés à aller s'imposer au Racing. Même si le Munster, la Red Army, c'est toujours chiant à jouer. Franchement, c'est... Ouais, il s'accroche toujours. Voilà. C'est à combien le Racing? Là, ils sont autour de... Vous avez encore du 1,25? Vous avez encore du 1,25? Ah oui, ça casse pas trois pattes à un canard. Combiner Toulouse Racing? Oui, par exemple, ça peut être intéressant. Non, mais bien sûr. C'est pas caca? Non. Bien sûr, vous avez de la Challenge Cup après. Bon, là, le problème, c'est que tout n'est pas sorti. C'est ça le souci. Donc là, je ne peux pas vraiment vous en parler parce qu'il voilà, y a du Bordeaux-Bègles qui est sorti contre Nabon, mais Bordeaux-Bègles à 1,26. Bon, même si Bordeaux-Bègles en a fait une priorité de la Challenge Cup, peut-être un peu bas, 1,26. Voilà, enfin, moi, je le trouve que c'est un petit peu bas. Voilà, pêle-mêle, il y a du hand féminin. Je vois que les cotes sont sorties. Du Besançon-Brest. Ouais, même reste à côté, elle est matraquée aussi, forcément. À combien? C'est à 1,10? Vous avez du 1,16, 1,17. Ah oui. Bah, faut que je vois, parce que mine de rien, Brest, il y a du turnover, mais ça reste très très solide. Mais Besançon, ça fait une perf aussi, je crois, le week-end dernier. Alors, vous avez un Fleury-Dijon, avec Fleury qui a quand même une de ses meilleures joueuses qui s'est blessée pour le reste de la saison, à voir. Ouais, Dijon 4,70, mais bon, en même temps ça reste Dijon, c'est pas terrible non plus. Là, l'an de femme, c'est difficile de trouver des choses. Ah oui, mais par contre, il y a le championnat d'Europe, il y a l'Euro, donc d'Europe, tu veux dire? Il y a l'Euro d'handball. Ah, l'Euro de hand. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des petits trucs à prendre? Enfin, le problème, c'est que France-Portugal, j'ai vraiment du mal à voir les Portugais nous embêter, même s'ils nous ont embêtés dans un de nos derniers matchs. Mais là, attention, c'est l'Euro, donc c'est des matchs qui comptent vraiment. Voilà. On a quoi d'autre, en fait? Norvège-Bosnie-Herzégovine, faudrait voir le handicap de la Bosnie-Herzégovine, parce que la Norvège a pas mal de blessés. A pas mal de blessés. Russie-Hongrie, pareil. La Hongrie a pas mal de blessés. Donc la Russie, mais la cote a déjà baissé, elle a encore 1,80. À voir tout ça. Voilà, écoute, j'ai envoyé pêle-mêle l'ATP Cup, l'Australie s'est qualifiée, la Russie s'est qualifiée pour les demi-finales. Et il reste les deux autres demi-finales à voir. Nous, on s'est fait éliminer. Voilà, c'était aussi pour faire un petit point ATP Cup qui a lieu sur ce continent qui est en train de.
de chauffer un peu là en Australie. Donc, mais ce que je comprends, c'est à Sydney, ils arrivent quand même à jouer au tennis. Donc, j'ai pas tout compris. Moi, je croyais qu'il y avait un brouillard ou qu'on pouvait pas respirer à Sydney. Donc, je comprends pas. À moins qu'il soit plus honneur les incendies. C'est ouais. Bon, bref. En tout cas, j'avais vu des images. C'était pour avoir déjà été, c'était assez impressionnant. Voilà. Écoute, on s'arrête là. C'est la première émission de l'année. Ouais. On reprend en mode tranquillou. Voilà. On refait la semaine prochaine. On sera plus incisif. C'est vidéo. On sera plus incisif. Et puis, ouais, la semaine prochaine, c'est vidéo. Voilà. On va voir tout ça et on reprendra aussi le rugby plus rapidement dans l'émission. Voilà. Et parce que ce sera encore de la Coupe d'Europe, il y aura sûrement des choses intéressantes à faire. Voilà pour moi. Et ben voilà. Et ben merci, Ben. Bah, tu vois, finalement, tu t'es remis très vite. T'es ouais, au taquet, direct va. D'entrée. Ouais, moi, j'ai eu quelques trous de mémoire, mais bon, ça. Oui, mais c'est pas grave. Ça arrive. T'as le droit de perdre quelques neurones après. Ouais. J'en dirai un peu plus. Voilà. Allez, encore bonne année à tout le monde et qu'elle vous soit fructueuse et de bons paris en tout cas. Ouais, de toute façon, elle va être que belle cette année en matière de sport en tout cas, parce que pour tout le reste, ça a l'air d'être un peu la débandade. Hein, mais en ce qui concerne le sport, 2020, ça va être bien. Et côté jeux vidéo aussi, ça va être bien 2020. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a des super trucs en 2020. Vous êtes fan de ça. Il y a une nouvelle génération de consoles qui arrive. Allez. Mais c'est un sujet complet, ça. On en reparlera. Mais 2020, ça va être bien. Faut arrêter de chouiner, ça va être bien. Allez, au revoir à la semaine prochaine. Bye bye, ciao. Paris gagnant, émission de sport et du pari sportif.